Mercredi 1er mars, un coup de tonnerre s'est abattu sur Buckingham Palace. Charles III aurait décidé d'expulser son fils cadet Harry et son épouse Meghan Markle de leur demeure de Frogmore Cottage pour y installer son frère Andrew. Mais ce dernier ne serait pas prêt à se laisser faire aussi facilement. Alors que la famille royale semblait amorphe depuis la parution des mémoires du prince Harry, les choses commencent à bouger du côté de nos voisins britanniques. Selon les informations explosives du Sun dévoilées ce mercredi, le roi Charles III aurait pris une décision forte à la suite de la parution de Spare dans les librairies. Le souverain aurait en effet décidé d'expulser tout bonnement son fils cadet et son épouse Meghan Markle de Frogmore Cottage, leur demeure britannique offerte par la reine Elisabeth II. Ce sont des nouvelles, me disent des sources, qui ont laissé Harry et Meghan stupéfaits, et au moins deux membres de la famille royale consternés. Harry et Meghan ont jusqu'au début de l'été pour partir, a notamment indiqué Omid Scobie, biographe et proche du couple. Mais cette décision n'est pas uniquement destinée à punir Harry et Meghan pour leur départ et leur règlement de compte. Charles III a en effet un autre problème à régler au sein de sa famille. Le roi et le duc ont une vision totalement différente d'où ils devraient vivre. Ce problème porte un nom, Andrew. Depuis son implication dans le scandale Jeffrey Epstein, le frère du roi est devenu difficile à gérer en termes d'image. Destitué de ses titres et de ses fonctions officielles, mis au placard, le prince s'est réfugié dans l'intimité de son manoir sur le domaine de Windsor. Sauf qu'il n'aurait aujourd'hui plus les moyens d'entretenir la demeure de 30 pièces et son imposant terrain. Charles III souhaiterait donc que son petit frère récupère Frogmore Cottage. Mais ce dernier ne compte pas se laisser faire. Selon les informations du Mirror, Andrew aurait affirmé à son frère avoir les moyens de rester dans son manoir, entre l'héritage laissé par leur mère Elisabeth II et les revenus d'une série de livres écrits par son ex-femme Sarah Ferguson dont il touche des droits. Selon des proches, il ne compte aller nulle part et resterait planté sur ses positions. Mais Charles compte bien le faire quitter sa demeure et se serait donc résolu à lui offrir plusieurs possibilités de remplacement en plus de Frogmore Cottage, qui a l'avantage d'être situé sur le même domaine. Le roi et le duc ont une vision totalement différente d'où il devrait vivre et de ce que devrait être son rôle dans les affaires familiales, affirment les sources du journal. Vers un bras de fer fraternel outre-Manche? Yeah.